interview qui entre la caillou et jeudi, Anna recevra le coordonnateur général du collectif 4 décembre, M. Jean-Robert Argan. Bonsoir, M. Argan, et bienvenue sous plateau émission L'Interview. Bonsoir, bonsoir Naïma, merci de l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau, en si belle compagnie d'ailleurs. Merci. M. Argan, quel que soit, et on peut dire acteur politique, ou bien quel que soit simple citoyen, ou bien quel que soit moun qui a vivre dans le pays, qui a intérêt dans le pays, il y a toujours à citer dans le moment ça, on date, on peut dire, qui est fatidique. 7 septembre 2021. 7 février, 2021. Donc, et nous capables de dire ou même qui a vécu dans le pays, qui a regardé l'événement, qui a analysé, qui ça, M. Argan lui-même, lui fait comme prévision par rapport à cette date? Bon, d'abord, son date qui a deux bagages avec le cabaret. Ça peut être une date exécrable dans l'histoire de notre pays, tout comme ça peut être une des plus belles dates de notre pays. Ça dépend de gens acteurs qui l'a eu à Bordel. Et quand je suis à Bordel, et puis je fais de lui une date vraiment noire, marquée de sang et autres. Tout comme le cas une date côté que c'est la renaissance du pays où on peut montrer, où on doit montrer, où que nous montrer que nous sommes capables d'arriver à une certaine hauteur d'homme d'État. Et savoir négocier et arranger noblement les choses. Donc, on a le choix, et ce choix-là dépendra de ces acteurs qui doivent faire un face-à-face pour résoudre ce problème qui concerne nous toutes. Parce que 7 février, son date bon abgadé, ou pas contre qui j'en abgadé encore. Après 7 février, on verra. On verra. C'est comme si nous n'avons pas vraiment fait projet. On te dit après le 7, on va voir. C'est exact. Parce que n'importe quoi peut arriver à partir du 7 février. N'importe quoi. Et à ce moment-là, quelle projection on peut faire? On ne peut faire aucune, mais aucune projection puisqu'on est à la merci des caprices ou du vouloir de certains sur lesquels nous n'avons pas vraiment toute corde pour nous mener par les jeunes ouvriers. Et vraiment, comme au caprice du vent que nous y est là, et son situation qui est très terrible, qui crase le pays, fait le pays enfoncer davantage, même si aujourd'hui, ou même moi, regardez 7 février, parce que c'est déjà demain. Oui. Mais les conséquences de ça, n'a fait aujourd'hui, ça va aller dans le temps. Et c'est ça que, qui fait encore beaucoup, qui fait beaucoup terrible. Ou tout cap vivre moment surtout leur agrémenté entre guillemets 7 février avec des actes de banditisme, des actes de kidnapping, comme quoi c'est pour vraiment accompagner cette date ou l'arrivée de cette date. Donc je pense que il faut vraiment mettre tête sous épaule nous pour qu'on ça va faire de pays nous. Oui, donc nous quoi j'en dis, c'est nous-mêmes qui prenons la décision pour nous connaître ça, pour nous faire. Et si vraiment nous voulons pays à une sorte de renaissance, ou bien si nous sommes tombés dans la bassesse la plus totale. Mais il y a une autre phase, ou bien il y a l'autre secteur d'armée où vous voyagez, Gadil. Est-ce que d'après vous, les groupes d'opposition arrivent à s'entendre sur la marche à suivre dans l'éventualité du départ du président? Alors là déjà, où c'est là toujours un petit tiré. Oh non, on n'a pas un monde dans tel secteur, nous dans tel secteur. Donc, une sorte de cacophonie, nous pas qu'à comprendre. Au fait, ceci c'est expression, c'est l'ADN haïtien finalement lié, côté que division régnait. C'est parce que là, nous pas, nous pouvons qu'on met tête nous ensemble. Seul jeune qu'on met tête nous ensemble, c'est pour détruire. Donc, c'est pour construire son lot tête chargée. Donc, à ce moment-là, où il y a tout intérêt individuel, intérêt personnel, cap lutter. Il y a un ego chez la politicienne, notamment, qui mission par eux. Sa vision, même surtout, c'est garder le pouvoir ou bien prendre le pouvoir à tout prix. Donc, et sans que vous pas gagner vraiment comme boussole, comme vision ou pays. Une nation, comme vous dites à l'heure, Naïma, a fondé
parce qu'il faut aller vers la refondation d'une nation. Et à ce moment-là, qu'on y a, même au niveau de discussion, le même secteur. Et ceci, ce n'est pas simplement chez les politiciens. Dans toute la société, on n'est pas capable, il n'y a pas qu'on discute, il n'y a pas qu'on fait échange pour arriver avec... La question de la tolérance également. Oui, avec sagesse. Non, avec, la dialectique, ce n'est pas un bagage qu'on connaît du tout. Vous comprenez? Donc, et ça rend la situation beaucoup plus difficile. Mais ceci aussi, ça s'explique du fait que nous pouvons vraiment développer de vrais partis politiques. Mm-hmm. C'est toujours des partis de Youmoun. C'est pas un parti politique. Dans du parti politique, ça que nous-mêmes, au niveau collectif 4 décembre, ça nous garder comme parti politique et nous espérer que c'est ça qui arrive parce qu'il nous faudrait aller vers une transition pour pouvoir le faire. Et c'est de pouvoir créer des partis politiques côté que ils ont exigé nos partis politiques 200 000 membres reconnus, identifiés de façon qu'à homologuer pour avoir des postes électifs. Leur parti qui ont force comme ça, des membership comme ça, ils ont des droits de gueule. Et le ça, il y aura une autre éducation parce qu'il faut aller vers l'éducation de membres, vers la vote de sa vision. Oui, de, justement. Donc, faut alors, y a chaque capote philosophique. Et c'est parce que vision, c'est parce que ils n'ont pas gagné ça. Et que c'est plusieurs individus qui font tia fait paio, tia pati paio, vous comprenez? Et tia moment paio. Donc c'est ça qu'a fait. Et qui est-ce qui a payé les conséquences? C'est nous autres. Oui. C'est quelque chose de quoi que maintenant on engage. Et c'est pas nous s'allier. Et pourtant nous des cas font seul, on fait ça. Nous gagnons à fond merveille. Oui, justement. Même si peut-être des fois nous gagnons des opinions qui ont. Mais c'est ce qui est bon. Et c'est ce qui est valable. Et c'est ce qui baille puissance. Mais c'est ce qui fait la démocratie également. Moi, même gardé à faire démocratie. Hein. Parce que démocratie, c'est un bon magasin qui déjà pas bon là-dedans tout. Mais même gardé humainement parlant. Mais c'est ce qui permet d'évoluer. C'est ce qui permet de trouver le meilleur. C'est ce qui permet d'arriver à élever un débat. Il faut être capable d'entendre l'autre là, écouter l'autre là, exprimer ou, sans hargne. Sans colère, sans passion, mais avec des arguments que vous avez réfutés ou acceptés. Oui, monsieur Organ, en fait, il y a un paquet de monde qui est peut-être absurde, nous, capable de dire bon, nous, quand nous avons fait transition, ça déjà. C'est comme si on retirait les petits gens, on mettait les pièces, c'est la même chose. Et plus ça change, comme dit le français, pareil. Plus c'est la même chose. Donc, comment nous sommes capables d'arriver à comprendre que c'est une transition, ça n'a pas l'air. Capable bon bien pour moi même qui voulait vivre dans le pays, qui voulait avoir une santé, qui voulait avoir tout le monde prendre l'école, qui voulait avoir une nation qui est plus ou moins respectée aux yeux du monde. C'est ça, je veux dire, Naïma. Et nous-mêmes, nous parlons de transition, nous parlons de transition fondatrice. Nous ne parlons pas de transition que l'habitude vive. Côté que c'est retirer sa clair pour mettre ça en face. Là. Quelqu'un nous dit, ou est-ce que vous mettez comme bon fait coupable? Nous ne regardons pas ça comme ça du tout. Et si c'est pour nous avaler là, ou est-ce que vous changer chapeau, mais quitter l'autre, quel chapeau, changer l'autre corps, ce n'est pas ça le besoin. D'après continuer, dégringoler puis raide. Oui, justement. Aujourd'hui, c'est ça. Moi-même, c'est que je dis, nous sommes arrivés à un carrefour de changement. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que population, que différents secteurs a parlé, a crié, a demandé pour un changement, mon changement réel, un changement radical, un changement d'attitude, un changement de comportement, un changement de gouvernance. Et c'est ça, nous voulons. Et parce que c'est l'on arrivé à ça. L'on arrivé à comprendre que n'a envisagé un changement radical, que l'on a conduit chavirer chaudière. Parce que c'est une autre approche qu'on devrait avoir. On parle de changement, d'une transition où on devrait remettre les pendules à l'heure. Il faut son changement côté que... Parce que nous n'avons pas une structure qui a fonctionné normalement, aucune institution a fonctionné normalement, aucun recours, rien ne fonctionne, aucune institution ne fonctionne. C'est un pays qui a déchappillé que Negab vient faire l'argent sous deux monde et c'est ça qui intéresse eux, pouvoir, privilège, l'argent. Mais on ne voit pas pays.
Et tout autant que ce n'est pas pays que nous sommes, nous pouvons aller de mal en pire. Donc pour nous-mêmes, nous ne parlons pas d'aucune transition, de transition traditionnelle, là, il n'en est pas question. Il n'est pas question de enlever ça, là, on y a pour mettre ça en face hier. Pas du tout. Il est le temps que, et c'est appel ça que nous-mêmes nous faisons, il est temps que la société s'implique, que la société prenne charge, que la société, puisque c'est nous-mêmes de société, qui a payé toutes conséquences, ça, politiciens a fait là aujourd'hui. C'est nous qui avons payé les conséquences, sa politicien a fait hier ou avant hier. Donc, gouvernement antérieur et tout. C'est nous qui avons payé les conséquences. Et nous, elle pas bon pour nous. Nous, elle que le pays doit toujours aller à la traîne du monde. Nous n'avons aucun sens évolutif. Nous n'avons rien. Nous n'avons pas écouté de l'avant. Nous n'avons fait aucun progrès à aucun niveau. Tout est au rouge. Au rouge parce que c'est lutter pour clicou, lutter pour clan, lutter pour qu'il y ait des privilèges, etc. L'autre a raillé parce que les points place soi, c'est pas ça nous besoin. Nous besoin de transition. Nous avons besoin de transition fondatrice. Une transition côté que il y a de la place pour tout le monde. Mais chaque personne à sa place. Mais et en parlant de questions de transition, il y a regardé quelques acteurs tout, et certainement, il y a quelques personnes qui disent « Wow, nous connaissons peut-être ça ou déjà. » Et peut-être qu'ils ont participé dans un gouvernement qui est déchappé PIA, qui mettait nous à zéro. Et qui sont à 10 mounes ça? Parce que là, vraiment, si nous disons qu'on aurait ça déjà, peut-être qu'on pourrait reproduire même ça qu'on reproduit. Qui sont à ka, et peut-être 10 mounes ça pour t'as dit qu'on l'autre bagaille et qui nous veut. À offrir. Oui. OK. Et ceci rentre encore dans le cadre de la structure qui doit être en place. Nous gagnons un pile haïtien qui valable naïma. Et ça nous demande, par exemple, nous prenons la transition, nous capons des visages que nous connaissons déjà. Mais problème pas visage là, problème non c'est ça qui est en dedans. Oui, c'est ça que nous représentons. Oui. Ok. C'est ça même. Et nous même ça nous dit, nous non quand tu connais quand pas connais, quand tu connais là, quand tu connais pas là, gain au moins trois critères que nous pensons que qui exigible l'encadre transition nous-mêmes nous prenons. Il faut que personnalité ça d'abord il doit sortir de n'importe qui bord, de n'importe qui équipe, de n'importe qui groupe, pourvu que personnalité ça gagne un critère intégrité, patriotisme, capacité, compétence. Nous-mêmes ajoutons quatrième que le pas décrié par la clameur publique. OK? Parce que moun ça, depuis les critères ça, c'est le genre de personne qu'il nous faut pour pouvoir procéder au changement. Et on ne veut pas justement, on ne veut pas d'exclusion. C'est ouvert à tout le monde depuis que moun gagne et rempli critères ça, quel que soit côté le sortir. Et c'est ça qui a bonne chance. Parce qu'à ce moment-là, ce sera la compétence qui parlera. Ce seront des gens qui, patriotes, c'est-à-dire qui connaissent qu'ils viennent dans l'État, non pas pour venir plein proche ou pour venir servir intérêt par eux, mais qui viennent pour aider le pays à changer. Et que ça devienne presque comme un sacerdoce que d'occuper une fonction et dans l'État. Et non que combien que papa ou télégué ou pour gaspiller. Eh bien, nous toujours parler de problèmes, yo, monsieur Organ. Et certainement, des fois, nous pas arrêter sous peut-être perspective ou recommandation, non plus à pointer du doigt ça qui mal, yo. Des fois, nous fait ça, nous était seulement sous yo. Mais l'état important pour nous continuer, même si c'est ça, mon yo, qu'on entendait, peut-être dialogue. Parce que quand même si au sein et d'un foyer, nous tous pas la même idée. Papa a une contradiction avec l'idée de Mounio, mais quand même, il arrive à entendre, il arrive à vivre. Donc, je pense que nous, et peut-être si communauté, ça, aller à grande échelle, c'est vrai. Et je nous ai dit, opinion, nous sommes divergents des fois, mais quand même, nous arrivons à mettre nous ensemble parce que nous voulons vivre ensemble. Donc, qui ça, M. Organ, lui-même, Itaka, et mettez en avant qui est capable d'aider nous comme yon, et capable de dire un point de mire, qui côté nous vivons ensemble? Ok, moi, je ne vais pas me garder de côté, pas me garder de côté jeune, qui a gardé Enio devant. Parce que c'est Enio qui a cherché un repère, qui a cherché un modèle.
au niveau de la famille, c'est là que vous soulignez adroitement, Naïma, au sein de la famille, c'est là pour commencer à prendre, faire des échanges, avoir des opinions différentes, faire des échanges, savoir convaincre l'autre. Et au fur et à mesure, ça va entrer dans l'éducation ou même. Maintenant, et si en plus de ça, au niveau ou entrer dans le parti politique, et que Guéin, ça la donne, à ce moment-là, ce sera différent et on pourra comprendre que l'autre a le droit d'avoir son opinion. Oui, son opinion. Et que c'est même salutaire d'avoir des opinions différentes. Mm-hmm. C'est bénéfique pour la communauté, pour tout le monde, que on a des opinions différentes. Parce que pour une opinion différente, faut chaque opinion basée sur des mm-hmm. références. Mm-hmm. Okay? Donc, et ça permet une analyse claire, sans passion, pour trouver une solution que nous pensons si ou de bonne foi, si ou pas un menteur, si ou pas un monde qui est roulé en manche, si ou pas un magouilleur, si ou pas un monde qui est en marronnage de pour fête, depuis qu'on est avec sincérité haïtienne, sincérité nationale, avec vision pays, il n'est pas foutu pas bon un bon résultat. Oui. Donc, Monsieur Organ, est vraiment échangeant et vraiment bénéfique, moi, pour les gens qui ont regardé nous là. Mais n'a pas possibilité, si il y a un dernier élément où tu as aimé et ajouté dans cette émission, ça. Oui. Et nous avons un appel. Deux fois, nous avons un appel jeudi à protagoniste, à président de la République, là, à monsieur de l'opposition. Surtout opposition qui dit les radicales là. Mm-hmm. Nous lançons un appel pour que tu fais deux bagailles. Premièrement, pour suspendre discours provocateur. Pour suspendre discours avec menace qu'il a d'ailleurs. Ce genre de discours ça a mené un grain de côté, a mené vers des affrontements. Parce que qui l'opère un discours provocateur, l'opère un discours qui a animosité à qui ressorti là-dedans, ou mettre le monde en face de soi, sous le qui vient, il paraît pour le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui a besoin de gouvernement. Nous avons besoin de Chita, nous avons besoin de l'autre pour nous arriver à une solution pour le pays. Donc nous souhaitons et nous demandons suspendre ce style de discours. Des deux côtés, nous quel président de la République là, qui n'a pas besoin de faire aucun discours, ni de provocation, ni de menace. Pas de dire moun ou sous route ou qu'il y a un petit accident. Ce n'est pas parole au chef d'État. Et non plus pour l'autre, pas de dire m'apchita, ça qui ça. Non, c'est un chef d'État. Donc il faut lever niveau. Il faut lever niveau parce que c'est un pays que nous avons en main. Nous, c'est un pays qui fait pour nous. Nous pas en main, c'est que surtout. C'est toujours dans l'histoire qui derrière nous, on en vive. On doit pouvoir vivre le présent et créer un bel avenir parce qu'on a les moyens de le faire. Mais il faut que ceux qui ont les rênes du pouvoir, aujourd'hui, il faut comprendre là. Donc, nous espérons que, pas rien des élections, on est dans quelques années, ça déjà, sûrement pas maintenant, mais et à l'issue de ces élections-là, il faut que nous autres, citoyens, qu'on compte qui monde pour nous choisir. Parce que c'est parce que nous choisissons ou bien par sentiment et non par raisonnement que nous faisons un pile et voilà un choix. Nous. Donc, il faut nous compte deux bagages. Qui monde pour choisir ou qui monde que nous ne pouvons pas accepter ou imposer nous non plus. Merci, Monsieur Organ, ou même qui t'a accepté recevoir l'invitation nous et venir sur le plateau émission d'interview. Eh bien, c'est un plaisir et nous souhaitons que 7 février, c'est une belle date. Pas une date marquée de traits noirs, mais une belle date qui ouvrira l'avenir, un avenir prometteur pour nous tous et surtout pour nos jeunes. Merci encore, M. Organ, et merci bien à vous-même qui t'avez suivi l'émission ça. Et nous toujours rappeler, et nous gagnons M. Henri Dorléans qui toujours dit, le pays où besoin, ce n'est pas dans le ciel, l'a tombé sous-titre.
qui donc c'est nous-mêmes qui pour connaît qui ça nous voulait et qui côté nous voulait aller et qui pays nous voulait tout pour nous vivre demain pour nous-mêmes et pour petit petit non n'a pour remercier ou même qui te prend plaisir pour garder émission ça la modorité sur télévision Pacifique pour reste programmation.